N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Est-ce qu'il se passe quelque chose entre le Bayern et moi? Non, non. Je suis tellement heureux à Barcelone et j'aimerais jouer ici aussi longtemps que possible. On est dans le plus grand club du monde, la concurrence est normale mais j'ai besoin de montrer que j'appartiens à l'équipe initiale. Je me suis blessé à un mauvais moment de la saison mais je suis en pleine forme. Les dirigeants Blaugrana auraient repéré un jeune talent turc, pour la saison prochaine. Il s'agit d'Arda Güler, jeune milieu offensif de 17 ans, ce dernier évolue actuellement sous les couleurs de Fenerbahçe où il est lié jusqu'en juin 2025. Promis à un grand avenir, il a fait ses débuts professionnels cette saison avec un but et deux passes décisives en 6 apparitions en championnat de Super League. Le Barça aurait activé une nouvelle piste en Angleterre en cochant le nom de Marcus Rashford. Lié à Manchester United jusqu'en juin 2023, l'international anglais pourrait disposer d'un bon de sortie, auteur de 5 buts en 2 passes décisives cette saison, le joueur de 24 ans ne serait pas satisfait de son temps de jeu. Cette piste pourrait également s'avérer coûteuse pour les Blaugrana, puisque l'international anglais serait estimé au minimum à 50 millions d'euros. Estimé à 40 millions d'euros par sa direction, cette saison, l'international portugais, 26 sélections, est performant avec 4 buts et 2 passes décisives en 27 rencontres de championnat de Premier League. Le FC Barcelone se penche sur Ruben Neves, l'international portugais serait dans le viseur du Barça en vue du prochain mercato. Le Barça souhaiterait préparer la succession de Sergio Busquets. Les dirigeants Blaugrana auraient activé une piste du côté de l'Angleterre pour trouver leur bonheur, ils auraient coché le nom de Ruben Neves. Actuellement à Wolverhampton, le joueur de 25 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2024. Le buteur uruguayen Darwin Núñez serait ciblé par le club catalan, en vue du mercato d'été. Alors la priorité se nomme toujours Erling Haaland, la piste du buteur norvégien pourrait finalement être abandonnée car cette dernière s'annonce beaucoup trop coûteuse. Le club catalan aurait décidé de se pencher sur Darwin Núñez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.